Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Elle traite du théorème limite sinus x sur x. Évidemment, c'est juste le titre, c'est pas complet, puisqu'une limite, il faut qu'on sache vers qui x tend. Eh bien, le résultat exprimé de façon très rapide est le suivant. La limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0, eh bien, cette limite est égal à 1. Si on veut expliquer ou exprimer plutôt ce théorème sous une forme plus classique, à savoir une implication avec hypothèse et conclusion, ça consiste à se dire que si f est la fonction définie par f de x égale sinus x sur x, alors la limite de f quand x tend vers 0 est égale à 1. Et ce théorème fait suite à une autre vidéo dans laquelle nous avons étudié cette fonction. La fonction définie par f de x égale sinus x sur x, hein, domaine de définition c'est R sauf 0, et avec toutes sortes d'arguments, on a réussi à montrer que le comportement de cette fonction était la fonction représentée graphiquement en rouge ici, à savoir on a trouvé son domaine de définition, c'est 0, on a pu montrer qu'il y avait une asymptote horizontale à plus l'infini et à moins l'infini, donc que cette fonction s'enroule comme ça de plus en plus proche de l'axe des abscisses, et restait la question, lorsqu'on se rapproche de 0, puisqu'on a une détermination de type 0 sur 0, sinus de 0 est proche de 0, 0 est évidemment proche de 0, une détermination de type 0 sur 0, que vaut cette limite? Les outils de calcul de limite que nous connaissons ne nous permettent pas de répondre à cette question, c'est ce théorème qui va nous dire, cette limite vaut bien 1, à savoir que, in fine, la représentation graphique se recolle bien là où on l'attend, à cet endroit-là, attention, à cet endroit-là, il y aura un rond vide, puisque la fonction va se rapprocher de 1 par la gauche, se rapprocher de 1 par la droite, mais évidemment, ne sera toujours pas définie exactement pour la valeur x égale 0. Donc l'objectif consiste à démontrer ce théorème. Donc puisque on est dans le monde de la trigonométrie, on va travailler avec un cercle trigonométrique, et pour rappel, dans le cercle trigonométrique, nous avons, si on considère x un nombre réel, x un nombre réel quelconque, partant toujours ici du point de coordonnées 1, 0, on parcourt la distance x, donc par exemple ici je parcours une certaine longueur, si je fais un quart de cercle, j'aurais parcouru le quart du périmètre de cercle de rayon 1, c'est-à-dire le quart de pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2, si je continue ici, j'aurais parcouru une distance qui est la moitié du périmètre du cercle de rayon 1, c'est-à-dire la moitié de 2 pi, donc pi, je continue comme ça, et puis je peux m'arrêter par exemple ici, où j'aurais parcouru une certaine distance qui sera entre 0 pi et 2 pi ici, disons par exemple, et approximativement, si j'ai découpé, je vois ici que je travaille de façon symétrique, j'ai découpé des tiers ici, donc j'aurai 1, 2, 3 tiers, 4, 5, 6 tiers, 7, 8, 9 tiers, 10, 11, j'aurai ici 10 fois, ou plutôt 10 tiers de qui? Ben 10 tiers, hein, qu'est-ce que j'ai coupé en 3? C'est pi sur 2, donc 10 tiers de pi sur 2, ce qui est la même chose que 10 pi sur 6, ce qui est la même chose que 5 pi sur 3. Donc, la valeur ici de x, c'est-à-dire la distance parcourue le long du cercle entre ce point jusqu'ici, serait égale à 5 pi sur 3. 5 pi sur 3, c'est à peu près égal à 5,2, hein. Pi c'est 3,14, 2 pi, ici le tour complet c'est 6,28, ici on est à peu près à 5,2. Donc ici en multiple de pi ou de pi sur 3, et ici en valeur réelle absolue. Donc, lorsque j'ai choisi un nombre réel, ça me définit une position sur le cercle. Si je prends des nombres plus grands, par exemple 6,28, 7, 8, 9, 10, etc., je vais continuer à tourner autant que je veux sur le cercle. Si je tourne dans le sens inverse du sens trigonométrique, à savoir le sens des aiguilles d'une montre, alors j'obtiens les valeurs négatives. Chaque fois que je choisis donc une valeur réelle, elle me définit un point sur le cercle, et ce point me définit ensuite deux coordonnées. La coordonnée sur l'axe des abscisses est par définition le cosinus de ce nombre réel, et la coordonnée sur l'axe des ordonnées est par définition le sinus. Et puis j'ai enfin un troisième objet que je peux définir sur ce cercle trigonométrique. Je vais faire un peu de place. Ce troisième objet
se définit en travaillant ici avec, je vais la faire un peu mieux, une droite qui est la parallèle à l'axe des abscisses passant par le point 1, 0. Je vais me la prolonger un peu parce que il s'agit de prendre à nouveau mon point sur le cercle, de partir cette fois-ci du centre et de prolonger ici jusqu'à intercepter cette droite bleue et j'obtiens ma troisième coordonnée qui est cette longueur ici qui est par définition la tangente. Dans ce cas-là, la tangente étant négative puisque cette droite est également orientée de la même façon que l'axe des abscisses. Donc voilà par définition le sinus, le cosinus et la tangente de ce nombre réel 5,2 environ. Alors, je travaille, donc c'était un petit rappel de trigonométrie élémentaire. Je vais, pour cette démonstration, travailler exclusivement dans le premier cadran. Le premier cadran, c'est celui qui est ici. Ça, ce serait le deuxième cadran, le troisième et le quatrième. Voilà donc la même situation représentée cette fois-ci avec un zoom dans le premier cadran. Dire que je suis dans le premier cadran, c'est dire que je décide de travailler pour des valeurs de x qui sont comprises entre 0 et pi sur 2. Et pour des raisons qui apparaîtront plus tard, je vais prendre cet intervalle ouvert, c'est-à-dire je suis strictement à l'intérieur du premier cadran. Mon x peut être n'importe où dans cette zone-là, mais ni en ce point, ni en ces deux points, ce deuxième point limite. J'ai remis ici les valeurs, donc le sinus de x qui est cette longueur, le cosinus de x celle-ci, et la tangente, la troisième. Alors, l'idée du théorème, ça va être de comparer trois aires. Pour pouvoir les définir de façon la plus claire possible, on va nommer un certain nombre de points. Donc ici, l'origine. Le point ici, je vais l'appeler le point B. Le point qui est ici, je vais l'appeler le point D. Et le point qui est ici, je vais l'appeler le point A. La première aire ou la première surface que je vais considérer, dont on va s'intéresser à l'aire, c'est la suivante. C'est le triangle OBA. Donc le triangle OBA, on voit ici le triangle qui est ici. Je vais essayer de le marquer pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Voilà, c'est le triangle OBA, le petit triangle noir qui serait noir ici. Le deuxième objet que je vais considérer, c'est un secteur. Cette fois-ci, c'est OBA de nouveau, mais non pas en termes de triangle, OBA comme une tranche de gâteau. Donc le secteur ici que je peux noter comme ça, secteur OBA. Et le troisième objet va être le triangle OBD. OBD. Donc, on va essayer de voir si on y voit encore quelque chose. Le premier serait donc celui-ci. Le deuxième en vert serait le secteur qui va ici jusqu'à la longueur d'arc, à l'arc plutôt X. Et le troisième en rouge serait le triangle qui est ici. Alors, on ne va pas en donner de preuves formelles, mais je pense que c'est assez clair que l'aire du premier triangle, donc l'aire de ce premier triangle, l'aire du secteur OBA et l'aire du dernier triangle sont dans un rapport de grandeur dans laquelle l'aire noire est plus petite que l'aire verte et plus petite que l'aire rouge. Maintenant, je vais traduire simplement ces aires en forme algébrique. Comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un triangle? Le triangle noir, c'est base fois hauteur. La base, c'est OB, la longueur du segment OB. Puisque je suis dans un cercle trigonométrique, le rayon de ce cercle vaut 1. J'ai donc ici 1. La hauteur de ce triangle, eh bien, on la voit apparaître ici. C'est exactement le sinus. Donc 1 fois sinus, base fois hauteur, divisé par 2. L'aire du triangle OBD, c'est-à-dire le triangle rouge, la base, c'est de nouveau 1. La hauteur, cette fois-ci, c'est la tangente, divisé par 2. Et l'aire du secteur entre 2, bien, ça, je vous laisse revoir, mais l'aire d'un secteur, c'est toujours le rayon fois
l'angle qui est ici en radian, à savoir x ici, divisé par 2, c'est-à-dire le rayon toujours 1, l'angle en radian x divisé par 2. J'ai donc cette suite d'inégalités. À noter que, puisque je suis dans le premier quadrant, le sinus est strictement positif, le cosinus est strictement positif, la tangente aussi est x également, ce qui fait que le sinus est vraiment positif, c'est vraiment la longueur qui est ici, et j'ai pas de problème de signe, sinus est forcément positif, il mesure bien une longueur. Donc maintenant, je vais simplement multiplier par 2 des deux côtés. Je vais obtenir donc sinus strictement inférieur à x, ici c'est un x, hein, strictement inférieur à la tangente. Je vais encore utiliser un théorème démontré en deuxième année qui dit que la tangente est définie comme étant le sinus sur le cosinus. Si dans un oral on vous demande pourquoi est-ce que la tangente est le sinus sur le cosinus, ben c'est simplement le théorème de Thalès, hein. Le triangle rouge et le triangle noir sont semblables puisqu'ils ont un angle commun et qu'ils sont les deux rectangles ici. Donc ils ont deux angles communs, donc forcément trois angles communs. Définition des triangles semblables. Le théorème de Thalès dit que le rapport des côtés correspondants est constant. Donc tangente sur sinus égale 1 sur cosinus, et si vous réécrivez la chose, tangente sur sinus égale 1 sur cosinus, c'est la même chose que tangente sur 1 égale sinus sur cosinus. Donc ici, c'est simplement un théorème sur la tangente. Attention, ici, il y a une étape un petit peu délicate qui consiste à diviser maintenant par sinus x. On va Les premières fois, on multipliait, enfin la première fois, on multipliait par 2. Maintenant, on va diviser par sinus x. Et de nouveau, c'est très important d'avoir pris conscience qu'on est dans le premier quadrant. Pourquoi? Parce que je vais diviser d'une part par sinus, qui est un nombre positif forcément. Donc, pas de problème de changement du sens des inégalités. Et je suis certain que à l'intérieur strict de 0 pi sur 2, sinus x ne vaut jamais 0. Donc, je peux diviser par ce nombre en étant certain qu'il ne vaut jamais 0. Donc, pas de problème. Donc, sinus x divisé par sinus x, ça fait 1. X sur sinus x, bah, je le laisse. Et puis sinus sur cos divisé par sinus, les sinus se simplifient, il reste 1 sur cosinus. Vous vous rendez compte que, je vous rappelle que l'objectif du théorème, c'est de travailler la fonction sinus x sur x. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis simplement en train de faire apparaître quelque chose qui ressemble à sinus x sur x, sauf que j'ai pas sinus x sur x, mais x sur sinus x. Donc, je vais de maintenant devoir faire une petite opération algébrique qui souvent paraît comme magique, mais qui ne l'est pas du tout. À savoir utiliser une petite propriété que je vais mettre ici, qui nous dit que lorsque j'ai a sur b qui est plus petit que c sur d, et que a, b, c et d sont tous des nombres strictement positifs, ben, si je multiplie par b partout, que je multiplie par d partout, puis, donc, quel effet ici? Ben, le b se simplifie, le d et le d se simplifient, je divise par c et je divise par A, ce qui est possible, hein, tous ces nombres étant strictement positifs, pas de problème de division par 0, pas de changement du sens de l'inégalité. Je divise donc par A et par C, je divise par A et par C. Il me reste donc ici simplification du A et du A, simplification du C et du C. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens finalement D sur C, strictement plus petit que B sur A. Alors souvent, certains se disent, lorsqu'il y a une inégalité entre fractions et qu'on inverse dénominateur et numérateur, miracle, l'inégalité change de sens. En fait, il n'y a pas du tout d'inégalité qui change de sens. Simplement, ce qui se passe, c'est que c'est les façons d'opérer sur des inégalités à travers les équivalences sur les inégalités qui permettent d'obtenir ce résultat. Donc ici, si j'applique à cette inégalité là, ce que je viens de faire, eh bien, je vais me retrouver avec l'inégalité qui reste dans ce sens. Alors, non, pardon, on va faire encore plus simple. Ceci, je peux évidemment aussi l'écrire finalement b sur a et d sur c. J'ai b sur a qui est strictement supérieur à d sur c, ce que je peux écrire aussi dans ce sens-là, hein, en changeant l'ordre
des éléments. Donc, si j'applique ceci, ben, c'est là où on se rend compte qu'on a l'impression qu'on a retourné les inégalités, retourné les fractions et puis changé le sens de l'inégalité, hein, ce qui est plutôt une réécriture finale. Donc ici, je peux dire que j'ai 1 sur cosinus, pardon, je change numérateur et dénominateur, ça devient cosinus sur 1. Ici, je change le sens, ça fait sinus x sur x. Eh bien, je me rapproche de l'objectif de mon théorème. Puis, je fais la même chose de l'autre côté, ici. J'ai sinus x sur x, x sur sinus x qui devient sinus x sur x, puis 1 ou 1 sur 1 qui reste 1 sur 1. Je l'écris cette fois-ci de ce côté-là et j'obtiens cette suite-là d'inégalités. Je vous laisse faire le détail plus tranquillement si vous en avez besoin. Donc, je suis presque au bout. J'ai bien maintenant mon sinus x sur x, qu'est-ce qui me manque? Ben, il me manque de passer à la limite. Mais attention, la limite qui m'intéresse, c'est une limite quand x tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, x est susceptible de tendre de se rapprocher de 0 par la gauche, par la droite ici, par valeur positive, ou par la gauche par valeur négative. Or, tout ce que je viens de faire, mes justifications ne fonctionnent que pour x dans le premier cadran, c'est-à-dire que x n'a pas le droit d'être négatif. Je ne peux pas passer une limite quand x tend vers 0. Je vais devoir procéder par étapes successives, c'est-à-dire ne considérer dans un premier temps que la limite quand x tend vers 0 plus. Je reprends donc l'état où je me suis arrêté et je me dis que je peux appliquer une limite lorsque x tend vers 0 plus sur chacun des termes de cette suite d'inégalités. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que j'ai le droit de procéder ainsi? Eh bien, ceci, c'est une propriété des limites qui me dit que si j'ai une inégalité entre deux fonctions, f de x plus petit que g de x, alors, peut-être celle-là elle est importante, donc je peux l'écrire ici rapidement, hein, c'est-à-dire que si f de x est plus petit que g de x, plus petit ou égal, c'est 1, même s'il est strictement plus petit, alors la limite de f de x quand x tend vers a et la limite de g de x quand x tend vers a, ben, l'inégalité reste, mais attention, dans la propriété des limites, si j'avais une inégalité stricte, elle est susceptible de perdre son côté strict et de devenir une égalité plus grand ou plus petit ou égal. Et puis, bien sûr, ceci est valable si les deux nouvelles limites existent. Donc, ce que je fais ici, c'est que je passe une limite sur les inégalités, je suis obligé de payer le prix de perdre le côté strict, et je dois me poser la question, est-ce que cette nouvelle limite et celle-ci, et éventuellement celle-là, est-ce qu'elles existent bel et bien? Donc je vais les étudier. La première, c'est peut-être la plus facile, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je sais de cette limite? Eh bien, je sais que 1 est une fonction qui est continue. 1 n'est rien d'autre qu'une fonction. 1, c'est cette fonction-là, hein, c'est la fonction constante. J'ai une propriété des limites qui me dit que limite d'une constante est une constante, donc je peux en déduire que la limite de 1 lorsque x tend vers 0 tout court est égale à 1, et maintenant ça me dit que cette limite existe, et la définition de la limite dit que si une limite existe, c'est équivalent à dire que la limite à gauche et la limite à droite existent et valent la même chose, c'est-à-dire que je peux en déduire que la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire la limite à droite, elle vaut aussi 1. Donc, première limite, celle-ci, elle existe et elle vaut 1. Maintenant, si je regarde la deuxième limite qui est ici, c'est presque la même chose en un tout petit peu plus subtil, à savoir que la fonction que j'ai à considérer, c'est la fonction cosinus. Cette fonction cosinus de x, je sais qu'elle est continue. Alors ça, CF le chapitre 1 sur la continuité, nous avons énoncé un certain nombre de propriétés de fonctions qui sont continues. La fonction cosinus de x fait partie des fonctions continues. Par définition, elle est continue sur tout R, donc elle est en particulier aussi continue en 0. Je peux en déduire que lorsque x tend vers 0 et que je considère la limite de cosinus de x, eh bien le résultat c'est cosinus de 0. Ceci c'est très important. L'argument ici, c'est la définition de la continuité. Ma fonction est continue, j'applique la définition de la continuité qui me permet d'obtenir
ce calcul de limite, cosinus de 0 lui-même est égal à 1. Pourquoi? Parce que 0 est là, et le cosinus, on l'a déjà vu, c'est cette coordonnée-là, donc cosinus de 0 vaut 1, ça c'est la définition du cosinus. Même fin que tout à l'heure, la limite globale du cosinus lorsque x tend vers 0 vaut 1, donc la limite à gauche et la limite à droite valent forcément également 1, définition de la limite. J'ai donc obtenu ma deuxième limite à gauche qui vaut forcément, qui existe et qui vaut 1. Et si j'ai un objet qui est compris entre deux limites qui, chacune d'elles, vaut 1 à gauche et 1 à droite, eh bien, je peux en déduire que la limite de sinus x, hein, certains appellent ça le théorème du sandwich, hein, si je suis coincé entre 1 et 1, coincé de façon non stricte, si je suis plus grand ou égal à 1 et en même temps plus petit ou égal à 1, eh bien, je vaut 1. Mais attention, je n'ai démontré que la limite à droite. Pour ceci, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, on pourrait hein, procéder de façon totalement symétrique en travaillant dans le quatrième cadran et refaire quasiment un copier-coller de la même démonstration en faisant un petit peu attention aux signes lorsqu'on a affaire à des valeurs négatives. Mais on peut être un peu plus subtil et aller surtout plus vite. Si je reprends une fois encore cette nouvelle limite ici, voilà, je la remets là. Et être un peu plus subtil, ça consiste à avoir l'idée suivante, c'est-à-dire de poser y égale moins x, c'est-à-dire aussi x égale moins y, dans cette limite-là. Et qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens la limite quand x, ça devient moins y, donc moins y tend vers 0 plus de sinus de moins y sur moins y, et je sais que ceci vaut 1. Je vais simplement remplacer x par moins y, ce qu'on appelle un changement de variable. Maintenant, je vais étudier un peu ce qui se passe. Première chose, lorsque moins y se rapproche de 0 plus, hein, si ici j'ai 0, hein, j'ai moins y se rapproche de 0 plus, ben, l'opposé de moins y, c'est-à-dire celui qui est de ce côté, y, lui, va se rapprocher de 0 moins. Donc dire que moins y se rapproche de 0 plus, c'est la même chose que de dire que y se rapproche de 0 moins. Le moins y en bas, je ne le touche pas. Et puis sinus de moins y, ça c'est une propriété trigonométrique. Hein. Si je prends ici un y et ici son symétrique le moins y, ben, qu'est-ce que j'observe avec les valeurs du sinus qui sont ici pour sinus de moins y et ici pour sinus de y, eh ben, j'obtiens que ce sont propriétés, ça se démontre, hein, ce sont des valeurs opposées, à savoir que je peux dire que sinus de moins y est égal à moins sinus de y. Ici, je peux bien sûr simplifier le moins sur moins qui fait plus. Je n'ai pas touché la valeur de la limite qui vaut toujours 1. Et qu'est-ce que je viens d'écrire? Je viens d'écrire limite quand y tend vers 0 moins de sinus de y sur y est égal à 1. Si je remplace maintenant à nouveau x égale y cette fois, je renomme de nouveau simplement, eh ben, j'ai la limite quand x tend vers 0 moins de sinus de x sur x qui est égal à 1. J'ai donc d'une part la limite à droite qui vaut 1, d'autre part la limite à gauche qui vaut 1, c'est-à-dire que la limite tout court, quand x tend vers 0, de sinus de x sur x, vaut bien 1, ce qu'il fallait démontrer. Graphiquement, lorsque je me rapproche de 0 par la gauche et par la droite, la fonction se rapproche de la hauteur 1, rond vide, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Voilà pour ce théorème.